Et bonjour à tous. Alors, vous le voyez peut-être, enfin vous le voyez sûrement normalement, je joue Bizarre Adventure All-Star Demo. Alors ça vient de sortir sur le PS Store américain, dans la nuit de mardi 8 à mercredi 9 chez nous en France. Donc j'ai créé un compte exprès sur le PSN américain. Installation terminée. J'ai vu ça il y a 2 jours environ. Donc normalement je l'ai déjà téléchargé. On va sortir de là. On va sortir de là. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Donc je me suis remis à jour au niveau du PSN il y a quelques semaines en prévision de Jojo. Je ne savais pas trop si j'allais acheter le jeu ou pas. J'ai toujours pas de jeu. Je pense pas non plus acheter le jeu dans sa version française qui va sortir. Parce que c'est sur PS3. PS3 c'est chiant pour moi jouer Street Fighter 4 que je me suis remis pour la nostalgie. Donc je pense pas m'acheter le jeu. Et cette démo, c'est vraiment une très très bonne idée. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Donc ça vient de sortir sur le PSN américain. Donc bah, si vous attendez le jeu ou si vous le connaissez déjà. La démo est disponible. On va la lancer tout de suite. Enfin, je sais pas, encore une fois, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas qui on peut jouer. Peut-être Jotaro, peut-être un autre personnage principal de Jojo. Je vais pas faire beaucoup de bruit, donc je sais pas si le son sera très très fort. En tout cas, là, pour l'instant, il n'y a pas de son. Moi, je crois que c'est là que je suis dans les menus, c'est normal. Allez, je lance. On va voir ce que ça donne. On a surtout vu les Jojo, les personnages principaux, les héros des différentes parties, donc des 8 parties. Alors, avec la cinématique en moteur du jeu, avec une musique, nous sommes remix d'un des thèmes de l'anime. Je n'ai pas trouvé ça si bien que ça. Là à gauche, on peut voir les personnages principaux. Des 8 parties. À droite, donc les ennemis, avec Dio, le père petit, Kira, Kars. Là-bas en haut à droite, je sais pas lesquels c'est. Ce sont ceux de la partie 7 et 8. Ah, alors là, il y a une cinématique qui se relance, on va la zapper. Ah. Donc la voix elle change, à chaque fois c'est un nouveau personnage qui nous présente, qui nous
qui nous cite le titre du jeu. Alors, là maintenant c'est en français, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Le jeu s'adapte aux coordonnées géographiques ou les langues qu'on a sélectionnées sur sa console. Alors, à quoi on accepte? Apparemment que l'arcade et les options. On va aller voir les options. On a vu le personnage de Melon. Alors, Melon, il est dans la partie 5, Golden Wind. Option de manette, option de combat. Bah, j'ai pas accès. Option de manette. Le gameplay, je le connais pas. J'en ai vu quelques vidéos de Kenpo Kart qui expliquent le système de jeu, mais comme j'y ai jamais touché et que je me suis pas plus intéressé que ça, on va aller voir. Donc, le mode arcade avec 3 persos. Jotaro, bonne nouvelle pour les fans de la partie 3. Ensuite, César. Alors, il y a toute une polémique sur les noms qu'on aurait dans la version française, les noms qui seraient changés avec le fameux Jean-Pierre Eiffel au lieu de Jean-Pierre Polnareff. Alors, style stand, donc il y a les personnages à stand, il y a ceux à onde. Et Dio en vampirisme. D'accord, Dio Brando, Jotaro et César. Donc, bah, 3 persos. J'ai pas de la deuxième manette pour voir si on peut faire des combats 1 contre 1. J'ai pas de deuxième manette, de toute façon j'ai qu'un un stick et une manette PS3. Là j'ai mis la joue avec la manette pour pas faire trop de bruit parce qu'il est assez tard. Allez, on va mettre Dio Vampire. Alors, est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix des tenues, on n'a qu'une seule tenue. En tout cas pour Dio. On va laisser. Là, je reviens en arrière. Bon, je vais laisser les paramètres de base, je verrai peut-être plus tard, plus en détail. Donc voilà, c'était juste surtout pour vous prévenir que la démo était dispo. Si vous êtes fan de Jojo, vous êtes peut-être déjà au courant, mais en tout cas, voilà, là c'est sûr, elle est là. Bon, allez. Évidemment, je sais rien à faire du tout avec, j'ai rien étudié, je me suis pas entraîné. D'accord, rien. Là, j'essaie de provoquer quelque chose. Dans ce niveau-là, c'est vers la fin de Phantom Blood, ce niveau-là. Il y a les tout plein de zombies qui sont au plafond, qui attendent les ordres de Dio. Bon bah j'ai fait un KO spécial avec une jolie fin. Là, c'est vraiment bien, il parle en japonais. Et on nous traduit en français ce qu'il est en train de dire, donc c'est vraiment excellent. Si le jeu sort aussi comme ça en France, ce serait vraiment bien précis. Certains noms ne correspondent pas exactement, ce ne serait pas très très grave non plus. Les combos, il y a pas que ça
quand même assez facilement. Juste en mettant un bouton sans savoir forcément à quoi sert chaque bouton. Je ne sais pas du tout le style du vampirisme, je ne sais pas du tout à quoi ça donne accès, si j'ai des capacités supplémentaires. Je ne sais pas du tout. Vu que je n'ai pas de jeu, que j'ai jamais joué, je n'ai pas du tout regardé comment ça se passait exactement. Je sais qu'il y a des essais de personnages et des choses comme ça. Et que le système au Japon de jeu a été assez mal accueilli avec cette histoire de sous à dépenser pour que le jeu nous permette d'accéder à des contenus plus rapidement dans le mode fameux mode campagne. Alors là, j'ai gagné, donc oui, logiquement, je passe à César. Vous ne pouvez pas continuer parce que jouer sans savoir vraiment ce que je fais, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, il y a. Comment il s'appelle d'abord au fond là. Les éplis. Moi j'ai oublié son nom. Non, je crois qu'il est mort dans ce passage là déjà. Ah non, c'est Speedwagon. Non, c'est pas. C'est pas Zeppeli, c'est Speedwagon. Ah, je pense que là je dois faire quelque chose à ce moment-là. Bon, je vais arrêter là. Ben voilà, Jojo sur la démo sur le stand S, c'est disponible. Allez, salut.